Mais nous remettons tout bout pour la prière. Et moi, toujours dis, dans ce que moi qui prêché, prends la Bible et garde la parole là. Garde la Bible pour garder, ça nous a dit si par la cette Bible. Amen. Parce que nous n'avons pas envie de par ma chance. Moi-même, là, moi qui prêché, moi qui prouvé ça, moi qui dit la parole bon Dieu. Donc, si la parole bon Dieu, accepter parole là. Donc quand tu chantes parole là, la parole est près de toi. Amen, alléluia. Et il y a une place par retour. Et c'est pour raison dans la nuit ici à vous porter bas. Merci Seigneur. À nous prier. Seigneur, nous merci au Père éternel pour vraiment grâce. Merci encore pour l'amour et fidélité. Merci pour paix par retour. Merci. Où t'es ça écrit dans les livres. L'agneau joue l'évangile, ça là qu'il prêche. Un barito. Côté monde qui nous oreille, Apocalypse nous, ça qui nous oreille qui t'étonne. Et nous bénissons parce que nous croyons que peuple barito nous oreille et on soit à Yokatan, parole. Depuis vendredi, samedi, dimanche, on souhaite, papa, parole qui a prêché un barito. On souhaite nous prier côté où il touche Tiaïo en manière spéciale. Pour qu'il permette côté tout homme, toute femme, tout le monde qui est déplacé et qui vient ici à paix. Nous avons prié côté où il y a un zoa ici conçu. Pour qu'il y ait un circoncis Tiaïo et côté parole tombé à d'un bon terre. A dit dans Tchayo, ton parole a dit, et qui porte un bon semence, il tombe et qui porte fruit. Seigneur mon Dieu, fruit qui a élevé, semence qui a élevé, a porté à qui a Tchayo, et qui a porté fruit de 30, 60 et 100%. On se fait à nous lier tout vieil esprit, toute vieille puissance, tout l'esprit incrédulité. Tout l'esprit de tout effrayé. Papa mon Dieu, côté nom, ni yo paix accepté ou. Yo paix avancé pour vous. Lorsque c'est pas le monde, Seigneur l'homme brave, pour mon Dieu croyant. Mais depuis c'est pas pour Dieu, Seigneur Satan, qui a mis un foyer en chasse mon âme. Donc nous avons prié côté qu'on a tué tout foyé. Nous avons voué tout vieil esprit, oui, tout dans les arides au nom de Jésus. Nous avons croisé pour voir soyez à l'humanité. En nom de Jésus-Christ. Et nous prions côté du Saint-Esprit qui a mis point de contrôle ici. Parole nous dit, c'est le Saint-Esprit qui a convaincu les hommes des péchés, des justices, des jugements. Qui est le Saint-Esprit qui convainc chacun de nous. Côté tout le monde, Seigneur, qui a dit qu'il était bon pour ici. Côté Yeshua, Seigneur, monde, créature. Vous croyez qu'il repentit des péchés, tourner des péchés pour lumière, tourner des puissances Satan pour la lumière de Dieu. Et Seigneur, quand on a libéré Dieu, on soit en nom de Jésus-Christ, de Nazareth, nous prions et pour gloire. Et on nous dit Amen. Alléluia. Mettez-moi ensemble pour Dieu, roi de gloire, les seigneurs, et Dieu Tout-Puissant. Merci. Asseyez-vous. Merci Seigneur. Mes amis, tout à l'heure, ce jour-là, depuis samedi, depuis vendredi, samedi, nous là, qu'à prêcher avec vous. Yo, soit nous t'es arrêté à l'Ecclésias et qu'à nous à quel moment bon Dieu qu'a appelé nous. Il a appelé nous les tout même corps nous a fonctionné correctement. Et nous disons ça. Oui, dans le chapitre 11, verset 9, dès le dernier verset, verset 10, nous avons fait nous ça. Bon Dieu, quand nous entendons pour nous, ça réjouit nous, fait ça nous. Allez, côté nous, faites ça, tiens, nous avons dit nous. Tout ça, c'est nous, mais changez bien. Bon Dieu, quand il mène nous en jugement.
Dans chapitre 12, là, verset 1, jusqu'à 8, nous est. Bon Dieu, quand nous changer, créateur nous. Et nous est, il pas croyé nous, dit nous changer. Bon Dieu. Eh bien, papa, mais il dit nous créateur. Ça veut dire nous, tout l'homme, c'est créé en l'image de Dieu. Et créateur l'a brisé, sauvé, et un jour chronique, il était perdu. Il était perdu un péché. Et on est pour confesser le péché, on m'a demandé pardon pour le péché et pour vous taper sauvé. Oui, Romains 10 dit nous ça. Avec chair ou capoué, pour vous confesser pour salut. Nous devons aller dans Saint Jean, chapitre 1, 12 et puis 13. Et quand nous consent, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que c'est pour Dieu qui a un pouvoir pour venir ici. Nous pas qu'à nous ici, mon Dieu. Pendant 1 Jean chapitre 3, verset 8, qui a dit nous, ce qui pêche est du diable, le diable pêche dès le commencement. Voilà pourquoi Ecclésiaste a dit nous, changez créateur nous, parce que ce n'est pas tout le monde qui est mon Dieu. Lorsque nous avons péché, nous avons fait comme nous, ce diable-là. C'est pourquoi Satan, il croyait Adam et Ève, Adam et Genèse. Et quand l'homme péché, péché passé en le tout homme. Un homme péché, était bien après un péché passé en le tout homme. Sous lui, 1 Corinthiens 15, pour des bien versets 1 décembre, nous allons comprendre plus bien. Avec péché qui a régné dans les hommes. Et c'est pour ça que Jésus-Christ vient pour ça sauver l'humanité. En soyant, moi venez dire, croyez et vous serez sauvés. Ne croyez pas et vous serez condamnés. C'est ça simple comme ça. Le salut, c'est ou pour croire pour vous sauver. Mais si vous ne croyez pas, ou qu'à condamner, et c'est comme ça. En Romains chapitre 16, verset 15 et verset 16, il dit, puis, ils ont dit, allez dans le monde et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croit et qui sera baptisé, sera sauvé, mais c'est lui qui ne croit pas, sera condamné, et c'est ou croyez, ou sauvez. Ou pas croyez, ou qu'en fait qui ça? Et bien voilà. Et il n'y a rien qui plus simple parce que ça. Tant ça. Mouna qui croit, il peut y sauver. Mais moi, j'ai dit mal, moi, j'ai un problème. À croire. Ma maman, ni pour croire dans moi. Pour moi, tu as pu sauver. Parce qu'il dit, c'est lui, Mouna qui croit. Il m'a dit, c'est Mouna, il y a tout où tu es fait. Mais Mouna, il vient d'où? Allez, premier, prêcher l'évangile. Nous te voyons dans Romains vendredi, il dit, qui m'a dit, ok, comprendre, qui m'a dit, ok, tenez parole là, c'est si pas ni un prédicateur. Et comment dire un prédicateur qui fait aller si bon Dieu n'est pas vrai? Nous te voyons Romains 10, vendredi. Et regardez, bien aimé, moi je veux comprendre un petit bagaille bien. Ça n'a pas rien à voir avec sa manière pour toucher en soi. Et ma vie manière, il fait monter dans l'esprit. Regardez bien, lik. Est-ce que vous pouvez prendre lik avec moi rapidement? Parce que nous n'avons pas mal à comprendre juste avant de comprendre pourquoi c'est un monde qui a condamné. C'est pas tant dans le texte, mais il m'a dit entièrement, il faut me dire, lis chapitre 10. Parce qu'il y a un monde qui a prié, en fait, sa parole pour Dieu qu'a dit. Nous, tout là qu'a dit, c'est Jésus-Christ qui va pas nous. Lis chapitre 10, à partir du verset, alléluia.
Vendu. Alléluia. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie, alléluia, porta à Jérusalem pour les présenter. Moi, je vais faire ce verset, je vais comprendre plus bien. Le huitième jour, quand l'enfant devait être circoncis, était arrivé, on lui donna le nom de qui? Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans les seins de sa mère. Verset 22. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie la porta à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Ça, c'est un petit mamaï. Ça, c'est un bip foncier. Jésus, dans le Lévitique, chapitre 12, il y a 8 versets seulement. Bon Dieu, c'est qui ont loi par Moïse et qui dit, vous pouvez garder un biboual. Chaque garçon qui naît et chaque fille qui naît dans le pays, si c'est un garçon, il peut attendre 8 jours, 7 jours, et le 8e jour, il y aura circoncis petit garçon, la circoncision. Et puis, il y aura attendre 33 jours pour madame la purifier des seins, parce que là, quand madame attend ça, elle a tenu sang. Et bien, il y a une règle, il y a continué à être impie. Et il y a après tout ça, il a mené un don top. Et il y a pris deux jeunes pigeons, deux jeunes tutoires, les bons jeunes l'agneau. Il a mené un sacrificateur là, ça nous a créé un prêtre. Et bien, on s'invitait dans le temps. Dans la Bible anglaise, il y a nous des priests, les prêtres. Dans la Bible française, il y a nous souverains sacrificateurs. Et il a mené. Pali est qui pour faire un sacrifice pour faire la vie pure. Parce que si on monte te joigne, pas de tenissant dans le public, il y a un peu de wash et qui mort. Donc, il y a un sacrifice pour bon Dieu et qui a gardé comme si on monte qui net. Et tous les mois, il y a un sacrifice comme ça par femme après l'église. Puis, il est adapté à la public. Mais si c'est une fille, fille pas qu'à circoncis. Donc, il y a 14 jours. Et après 14 jours, il y a 66 jours pour une fille qui a doublé. Et après, là, il y a mené 8e jour, et bien 14 jours, c'est là qu'il y a un bail noir. Et après les 14 jours, et bien 7, 8 jours, il y a mené un temps plein pour te présenter pour bon Dieu. Là, nous avons dit dans le chapitre 10, Jésus-Christ né. Et là, Jésus né. Joseph et Marie menaient aller en disant temps Bible là en disant Bible il passe jamais dit c'est pour être baptisé. Alléluia, on va attendre ça. C'est l'homme qui a dit il y a croyé de nous. Mais regardez bien, si peut-être vous ne pouvez pas comprendre absolument, et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie l'ont présenté à Jérusalem, portant à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. C'est pas ça qui est encore en Bible. Hein? Est-ce que la Bible a dit là, il était baptisé? Non. Eh bien, c'est là qu'on a couillonné nous. C'est là qu'on a couillonné nous, il faut comprendre. Maman ou dit, ou déjà baptisé. Mais regardez qui est. Jésus, mémé. Et nous dit, nous aimons Jésus, est-ce que c'est pas vrai? Nous dit, il faut nous suivre Jésus, est-ce que c'est pas vrai? Nous dit, il m'a pour nous, est-ce que c'est pas vrai? Jésus te présenté en tant même anti-mama. Gardez la procédure là. Verset 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mal premier né sera consacré au Seigneur et pour offrir un sacrifice des
tu tueras les deux jeunes pigeons comme cela était prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Et il avait divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourait point avant d'avoir vu le Christ qui monte du Seigneur. Et il vient au temps poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour faire qui ça? Pour accomplir à son égard ce qui ordonnait la loi. Oui, c'est la loi qui n'a dit faire ça. Mais il ne peut pas couiller ça en patine. Est-ce que vous l'avez avec moi? Oui, aïe, aïe. Est-ce que vous l'avez avec moi? Dans le verset 28. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire Israël, ton peuple. Voyez ça? Jésus est venu pour mener qui ça? Salut et gloire au bon Dieu pour l'humanité. Là, il n'a pas dû être baptisé là, mais il était présenté dans notre temps. C'est ça nous qu'a croyé. Ou qu'a présenté Timamaï là en disant top, là il petit, tout petit monde, en Lévitique chapitre 8, ou qu'a youé, donc Jésus-Christ, si 8 jours t'es arrivé, il était si concis, plus 33 jours, et il a porté en disant, top là, il t'a mis combien de jours là? 40 combien de jours? Oh, qu'a dormi là. 33 plus 8, ça fait combien? Ça fait combien? 41 jours. Eh bien voilà. 41 jours, ça veut dire qu'un bébé. Dis-moi un bébé. Qui ça y peut? Quoi? Et puis baptiser, puis sauver. Aïe, 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 on pas attendre, moi. Est-ce que ça? Et ça, c'est pour nous comprendre la parole de Dieu. Dieu qui a demandé nous de nous qui croient. Et qui baptise, qui t'a fait sauver. Mais les gens qui ne pas croient, qui t'a fait condamner. Ou sous pas croient, ou qui t'a fait condamner. On dit même qui est là. Même si Jésus finit, il n'a pas fait un lien pour condamner. L'icale pour Dieu, et vous qui avez oui, parce que c'est vous qui ne pas croient. Est-ce qu'on entend bien? Est-ce qu'on entend bien? Donc, nous regardons le baptême de Jésus. Où est là? Il dit Jésus t'est présenté. Ce n'est pas baptême. Ça ne veut pas dire qu'il y a un prétexte là. Moi, c'est simplement qu'il faut comprendre, juste pour nous aller. Regardez Matthieu. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Alléluia. À partir du verset 13. Comme ça. Alors Jésus vient de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. C'est pas ça qui est dit, moi? Pardon, il y a les mains. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Il y a dans Bibou. C'est pour ça que je ne dis pas venir sans Bible. Parce que moi, je vais l'aimer pour dire si ça vous. Est-ce que c'est ça qui est Bibou? Là, nous, maman, t'es porté. Mais maman, c'est pas baptisé, il dit, il t'est venu baptiser. Mais il t'est venu présenter pour mon Dieu. Vous ne pouvez pas ça, est-ce que vous ça? Mais là, nous, Jésus grandit. Et Jésus sortit. Et il allait en Judée lui-même. Et il s'est croyé baptisé. Est-ce que c'est ça? Mais Jésus est posé en disant, c'est moi qui avait besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus répondit, laissez faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui
et juste, et Jean ne lui résista plus. Tenez ça, verset 16. Dès que Jésus était jusqu'à Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Aïe, aïe, aïe. Est-ce pas ça? Baptême, c'est immersion, plongé dans l'eau. C'est un enterrement. Terre, vieux homme, nature, péché, pas de l'eau. Qui donne présentation, c'est point, Timouna emploie, emploie et béni pour Dieu pour lui. Oh yo yo! Est-ce qu'on a fait ma vie? Est-ce que lorsque les hommes finissent, les hommes disent, c'est les évangélistes, c'est les pentecôtistes qui capaient faux doctrine. Qui est-ce qui capaient faux doctrine? Nous, et pour l'autre parole qui a dit, maman ou dit, il vous déjà baptisé. Ah, ou pas tant, on vient faire les mains, Barreto. Barreto vient faire les mains. Est-ce qu'on a tant de mains? Donc, c'est là, amis. Et bien, c'est ça qui a condamné nous. Parce que le salut, c'est pas maman ou Dieu, mais c'est vous qui nous pour accepter, mon Dieu. Pourquoi? Repentir pourquoi? Plus baptême pourquoi? Confesser péché pourquoi? Et accepter Jésus-Christ à la vie pour lui, le salut. Est-ce qu'on peut me mettre le moins ensemble pour Dieu? Et si parole avait dit Amen. Alléluia. Oui. Eh bien, amis, tout ça, verset 10, ça dit, et voici, on voit, vie entendue dans les cieux, ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est fils, moi. Moi, mettez toute affection, moi. En disant, Bible française qui l'a. Si moi, Bible anglais, ou pas qu'il comprenne. Eh bien, ça, est-ce que c'est nous qui avons couillé de corps, nous? Eh bien oui, nous avons couillé les corps. Nous avons couillé les corps. Qui dit, maman nous dit, nous sommes déjà baptisés. Papa nous dit, nous sommes déjà baptisés. Et il y a un point, on est même là où, et qu'on parle. Et pour faire ça, nous avons testé, oui, nous sommes là, je vois ça fait là. Mais changez bien, pour Dieu dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Qui ça ou t'es quoi? Là où t'es ni pépé. Je dis, est-ce qu'on est là? Qui ça ou qu'a changé? Nous pièces pas qu'a changé. Est-ce qu'on a changé bébé? Ou qu'a changé là où t'es bébé? Et que j'ai été baptisé? Ça veut dire que le baptême, c'est pas pour Timoun. C'est pour Timoun qui a présenté du vent bon Dieu. Et le baptême, c'est pour Moun qui a cru. Pas bon Dieu, gloire. Alléluia. Là, je vais commencer à prêcher, mais alors, tu sais, oui. Et bien, c'est pour ça. Marc 16, verset 15 à 16, il nous. Puis, il leur dit, allez dans le monde entier, c'est-à-dire, dis-nous, prêchez la bonne nouvelle. C'est-à-dire, nous, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Ouais, création. Est-ce qu'on va comprendre ça? Et qui dit, nous, c'est lui qui sera. C'est lui qui croit là. Ouais, premièrement, on dit pourquoi. Qui sont-ils, maman, ils croient? Ikaka, nia, 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 Icho, nia, 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 il veut belle lettre, nia, nia, il veut belle l'eau, nia, nia, il n'y a pas de casse mal, nia, nia. C'est maman qui vous décide. Pour savoir qui sont-ils, maman, il a dit. Parce que tout ça, il est épuisé dormi, nia, nia, il n'y a pas de. Parce qu'il passe à discerner, il passe à parler, il passe à amen. Et qui ça au timon, j'ai fait. Et bien qui ça, il peut comprendre. Puis quoi, et puis baptiser. Et la Bible a dit, c'est faux quoi, et l'on quoi, alléluia, ou baptiser, ou sauver.
Je dis à quel baptême que tu es toi. Baptême, ça, Bible a couillé, présentation enfant. Et bien ça, il a couillé Jésus-Christ en d'un fleuve joué les baptêmes par immersion. Si nous disons, aimer Jésus. Alléluia, mettez la main. Voilà, amis. Et bien voilà toute vérité. Préparez-vous, voilà toute vérité. Nous avons couillé les cordes. Et bien nous avons continué. Les mots, ils disent nous, monde qui pas quoi, qui fait quoi? Condamné. Et c'est là que je voulais arriver avec vous. La Bible anglaise dit nous, he that believeth not shall be condemned. Condamné. Et bien, he that believeth not shall be damned. Les mots damned, amen. Il y a nous, la Bible française, condamné. Et bien, un synonyme anglais qui nous unlucky, et bien malchancé. Le monde pas accepter mon Dieu comme sauveur personnel, et que Jésus Christ vini, et qui joue Dieu là, et qui n'a pas fait sa bonne idée, il dit ou malchancé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pièce manière qu'il n'y a une chance encore. Chanson c'est ici, à bas mon Dieu, ma mère. Alléluia! Je sens c'est pas ton gâtenir. Je sens on y a, c'est pas ton vivant. Je sens on y a, c'est pas ton gâteau par là qui t'a entré en toi pour t'appeler, sauver et pour le salut. C'est pas ça où qu'a trouvé corps condamné. Les amis, qu'on a commencé le Liban, Luc chapitre 16. Bible a dit nous, l'atteigne un homme qui était condamné. Hier soir, nous touchons, on dit dans Ecclésiastes 12, à partir du verset 8, là, il dit, les derniers souffles là, sortis en monde, et puis, l'homme là mort, on va changer ça, il dit, la poussière, il a vu retourner en poussière, et puis, l'esprit a retourné à ton Dieu qui te fait. Est-ce que c'est bien ça? Eh bien, on souhaite nous regarder la réalité. Le passage après la mort. La vie après la mort. Zemi, je souhaite ici. Aussi, ou quand, si je dis, vous qui du bout là, ou réel, petit, na wow, ou quand t'en m'en, ou quand comprenne m'en, nous sommes convaincus. Eh bien, la vie après la mort, c'est même bagaille là. L'homme, il n'est pas fini. Parce que l'homme, il n'y a encore. Et pour l'homme, et même petit moment, pas parti. Parce que si vous parti, vous ne pouvez pas comprendre ça, mais vous comprendre au soir. Gardez rapidement avec moi, Luc. La Bible a parlé au Dieu, un homme qui quittait tant ça a passé à l'œil et il n'a pas pris décision. Luc chapitre 16, verset 19 à 21. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Alléluia. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Attends, où est-ce que... Qui m'a dit qu'il était vivre? Brillante vie. C'est pas ça, Ecclésiaste de nous. Chapitre 11, des derniers versets. Vive qu'on voulait, mener la vie qu'on voulait, mais savent un jour, bon Dieu qui est mené en jugement. Chapitre 12, la fin, ça, bonjour, Caïmor. Eh bien, là, t'es un homme qui était même manière. Continuez-le. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Où est-ce que ça vient? Il s'est un homme riche. L'homme riche, ou quand il voulait un homme pauvre, un bogaïou. Non! Tu le savais. Mais l'homme pauvre là, il était pauvre. Mais il était ni Jésus. N'oublie pas Matthieu chapitre 7. Il a dit, et où est le pauvre? Amen, alléluia. Parce que c'est Ayo, voyons-le. Ou peut pauvre ici,
ou pas de l'argent, mais pour Dieu, il prépare un royaume bas, ou pas pour Dieu, non, mais alléluia. Ou pas de pauvre ici, ou pas de caille, mais pour Dieu, il prépare un mansion bas, alléluia. C'est ça, il dit nous en Jean 14, alléluia. Moi, il prépare un place bas, et avec si moi, il prépare, mais qu'il retourne et vini prendre. Ou pas de pauvre, alléluia. Ou pas de opel voiture ici, amen, mais pour Dieu, il prépare un place bas. Ou pas pauvre ici, ou pas ça même mettre au bijou en l'air, mais pour Dieu, force la richesse parfait et puis l'or, et ou qu'il marche dans les sacs. Est-ce qu'on t'a tellement bien? Donc, voyons, pour Dieu, c'est ça, même sous pauvre, mais dans l'esprit, il faut pas pauvre, alléluia, parce que papa ou son croire, et c'est pour ça, Jésus-Christ vit mort, il vit mort pour sauver, ou pas de raison pour mort, en pauvreté, mais on s'accepte Jésus, et Jésus a préparé en place pour venir prendre, et qu'un jour il y ait vu encore pour aller régner puis à cela, pas pour Dieu la meilleure soeur. Alléluia. Donc les hommes qui ont gommé pour pied à sous la terre, sonné, la monde qui passe à quitter pied, la monde qui passe à quitter terre, la monde qui est trop riche, la monde, alléluia, sous appelé, côté qui ni homme riche, prêt à manger, belle bagaille, habillé, amen, ton sous ton, alléluia, le caille vini, mais yon tout, l'évangile c'est pas malheureux, amen, content ça, parce que la parole de Dieu dit moi comme ça, et ouais, amen, monde qui pauvre, alléluia, à l'esprit, c'est yon qui caille, ouais, pour tuer, est-ce qu'on catch un mot? Oui! Pour Dieu dit, les Jésus Baptiste en prison, il dit, aïe, Jésus, est-ce que c'est lui qui nous peut venir? Il dit, aïe, dit Jean Baptiste, les avec Kawé, le sous-caton, les bois qui a marché, avec ces pauvres-là, ni les vaches-là qui a prêché, mais content, alléluia, en soir, peut-être même pas ni l'or, peut-être même pas ni l'argent, mais même ni Jésus, alléluia, même ni le roi des rois, même ni le seigneur des seigneurs, et me savent un jour, même si ma roule Mercedes, même si ma roule Lamborghini, même si ma pas roule, alléluia, amen, Jaguar, même si ma roule c'est pas ça là, mais un jour qui a venu, Jésus qui a vu et venu promet, et m'a mouché à ciel là, alléluia, mais avec Jésus-Christ, mais massé, on l'a là, oui, l'or, et tu ne m'as préparé, on massé en bas où, est-ce qu'on t'a tellement, il dit à Kay, papa, mais la nuit plusieurs mois, alléluia, a Bible a dit mention, et il m'a dit, my father's house, there are many mansions. And if it were not so, I would not have tell you, I go and prepare a place for you. And if I go, I will come again and receive you unto my own. And where I am, there may be also. And kai papa me, in the prison mansion. Pardon, ka goumen ti maso te ici ya, pour Jésus prepare un mansion ba roche la. Il parfait alors, Apocalypse fame sav, et même kai la pour Dieu prepare la, in the 12 fondation. Et chaque fondation, c'est un pire précieux. Est-ce qu'on va t'en mettre? Alléluia. Il dit voler pas sa voler. Voler pas sa voler. Il pas qu'à corrompre. Nous pas sa tête ou de bénédiction. Le accepte Jésus. Accepte Jésus-Christ. Et pour Dieu, qu'il va où? Royaume du ciel. Mais si vous ne pouvez pas dire, si vous ne pouvez pas dire, comment on peut jouer? L'homme vieux riche, la vie en l'air, il a vivre une brillante vie, mais il ne peut pas connaître mon Dieu. Il a mené en vie riche, mais il ne peut pas connaître mon Dieu. Il a bien prêt, mais il ne peut pas connaître mon Dieu. Il a bien mangé, bien dormi, il a une femme télé, mais il ne peut pas connaître mon Dieu. L'œil mort. Ça me faut comprendre. La nuit, un jour, moi et puis vous, nous obligez mort.
Et oui, les hommes paient la mort. Je dis la nuit au jour, mais avec vous, nous n'y plus mort. De là, quand tu me caprèche là, et là, quand tu as dit, tu peux dire qu'il me caprèche là, il y a mort. Eh bien oui, parce qu'on est étrangers et voyageurs sur la terre. Ça veut dire que la vie ici n'a pas même autant réel qu'on s'en a eu jeune après. Vous comprenez bien? Parce que l'autre partie ici, vous entrez en éternité, c'est une réalité. Amen. Je ne sais pas, continuez-le. Qui ça y fait? Mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Oui! Pauvre là, mourut, il fait porter par les anges dans le sein d'Abraham. Là, le sein d'Abraham grec, c'est côté pour Dieu qui a mis l'âme, tout le monde qui attend la résurrection. Alléluia. Qu'attend qui ça? La résurrection. C'était là le paradis. Mais merci bon Dieu, il mène à l'ancien. Au baptême. Mais nous baptisons ça. Maintenant, alléluia. Le paradis, un jour, nous allons monter là. Alléluia. Mais, pas d'homme pauvre, seulement qui mort. C'est ça nom kablié. Yo kablié pauvre kamo, riche kamo même manière, nous ni même la vie. Et c'est pas parce que ou riche ou ka vivre plus longtemps qu'un monde pauvre. C'est pas parce que ou ka bien manger ou ka bien prêt que la vous plus long parce yon ki ka ma poubelle là. Ou pas tant ça. Bien souvent nous ka wè ni moun sans poubelle yo ka manger. C'est pour ça que la mort. Ou quand même, combien de monde qui a parti avant vous? Bon Dieu, qui a ni pitié à sous vous. Est-ce que vous avez dit? Mais là, il y a mort. Qui compte vous qui a levé les yeux? C'est ça qui est important. Continuez-moi. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Qui ça, riche, l'a fait? Tenez ça bien. Les pauvres morts, il fait porter par les anges dans les cieux d'Abraham. Ça veut dire que ou pas même temps yo parler de la tamay entièrement pouchi un homme pauvre chien gali chez boboy qui moun ki kay payer l'argent pour faire la tamay bay. Est-ce que vous comprenez ça? Yo promise yo tire sa con chien on est gladier son côté, mais ces anges qui accueillent Namli et qui allait en Saint Abraham, mais l'autre homme là il mort et il a fait qui ça? Il dit, il a enseveli. Ça veut dire que, yo tewe, yo font belle entraînement bail. Papa Point, il c'est un bon homme. Il fait un loti bien. Depuis un monde mort, personne qui m'a pas me voué. A sous la terre ici, on va te miser son vie. Ah bon, miser pas bon, miser si, miser ça. Mais joue l'entraînement, yo gado, c'était un bon monde. Pas garder ça, c'est ton bon petit mamaï. Il a fait du bien, c'est l'homme qui a vu où son bon monde. Mais c'est l'homme, c'est bon Dieu qui a décidé pour tout. Est-ce qu'il y a un bon monde? Regardez qui m'a dit bon monde, bon monde. Allez, regardez ça. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Moi, je veux souligner séjour des morts. Nomme-le le vaisseau côté. Dans le séjour des morts. Séjour des morts, c'est là tout le monde qui n'a pas accepté Jésus. Ils sont en prison. C'est ça qu'on a crié garde à vue. Garde à vue. Garde à vue, c'est ça. L'enfer. Depuis là, c'est pourquoi l'étendifier là. Là, c'est pourquoi l'étendifier. Ça veut dire que l'enfer. Nom là, c'est simplement Namou. Là, il parti à un bon Dieu, il a voyé là parce qu'il n'a pas accepté Jésus. Pour l'instant, mon qui a accepté Jésus, il a voyé en Saint Abraham. Et regardez qui m'a déplacé là. Continuez-y. Tandis qu'il était en point au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Je le savais. Nomme-le, tu es oui. Il dit oui. Parce qu'il dit tu es poussière, tu retournes de là. Ça veut dire que quand il retourne à son bois, mais il est vieux de l'autre côté. Vous voyez ça?
Est-ce qu'on a? Donc, est-ce qu'on voit après la mort? Ou qu'on voit toujours? Ça veut dire que ou qu'on voit. Et deuxième, il dit tandis, il était en proie des tourments. Nous avons deux sens là. Ça veut dire le sens de toucher, le sens de vue. Est-ce qu'on entend moi bien? Est-ce qu'on a? Et il était en séjour des morts. Il était tourmenté. Et qui ça il faut encore? Il vit, qui ça? Librement, Mikora. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Où t'es ça? Il vit Abraham et Lazare dans son au loin. Dieu place là pas même bagaille là. Est-ce que ça? Est-ce que après la mort ou réel? Après la mort, monsieur ou réel? Après la mort, parti, n'aï tué comme n'aï fini et puis ça, avec moi fini et puis ça la vie. Et puis tranquille, l'agneau, l'homme qui dit comme ça, l'homme après la mort, pas ni rien encore, ou pas exister, ou fini, consommé pour toute la vie. Mais moi, quand tu ou quand fait un mensonge, parce que après la mort, il y a la vie, et il plus réel. Est-ce qu'on entend moi? Il voit en lui. Et qui ça, il dit? Il s'écria, Père. Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Me rafraîchisse la langue. Ça veut dire qu'il y a une langue. Hello? Si les yeux, il a touché, une langue là, il voulait, ça c'est l'essence de goûter. En séjour de mort, où est-elle? Hello? Aïe, 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 vous partez de moi. Pas quitter mon couillonneau. Et Dieu, l'homme, ça finit. Pas quitter mon couillonneau. Avec Dieu, l'homme, ou bien, il tue corps. Avec tout, bah, il finit. C'est la misère commencée à laisser jouer des morts. Donc, c'est lui. L'homme, on prend décision. Pas accepter mon Dieu. Avant, il mort, il a fait plus colère. Ouais, il jamais fait dans la vie. Ou t'en parle là, et qu'on parle converti corps. Ou quand tu nous mort, et l'homme qui a dit Amen, maman qui a dit Baï fait messe bas, Baï brûle l'huile bas, Baï brûle bouche bas, y'a qu'à tirer un pic à toi, mais non limbo, sur un limbo, c'est plus ce qui a dit ça, Martinique, pas dit ce bail là. Et puis y'a qu'à tirer maintenant en ciel, y'a qu'à prier maman, bah oui, y'a qu'à demander grâce au père du père, y'a qu'à tirer là, avec l'homme sans messe. L'homme sans messe, ou pas te connaître messe pièce, ou pas te même vle te parler de bon Dieu, et c'est l'homme en monde qui a eu messe, et quoi il bon Dieu, oui. Amen, alléluia. Amen, c'est dit, c'est dit, in your mouth, en dit dans bouche ou dit, mais ça n'a pas jamais fait. Est-ce que vous entendez bien? Ça ne peut pas jamais fait, manière ou fait comme nous. Manière couché, manière mort, c'est qu'on sent qu'il est levé. L'homme là, il mort sans bon Dieu. Il est levé sans bon Dieu. Regardez qui ça qui vivait. Alléluia. Lis. Alors, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Qui ça dit? Songez bien. Lazare fait qui ça? Il dit moi qui a souffert. Un flamme de terre a souffert. Qui vient chaud. M'a s'appris. Songez-moi. Tu m'as demandé. Mais qui ça il dit? Songez bien. En dit un jour là. Où tu as dit tout ça où tu veux. En dit un jour là. Où tu as dit toute bataille qui pire. Pas de l'été Lazare, pas de l'été qui bon. L'animal y a couru toute la vie. Y a des poteurs, y a salé un jour, y a salé un carnaval, y a salé un hôtel, y a salé tout partout. Sexe, poids, fait tout ça y a voulu. Dépenser l'argent, pas de l'été monde, pas même ni ça. Nous sommes chrétiens, y a qu'à nous garder ces pauvres là. Y a pas ça même bien manger. Mais changez bien. Ou tenir pourtant ici, pas mort comme ça au soir, pas mort comme on saute au soir, pas
alors qu'on nomme Wista la soeur, parce que trop tard, l'homme a consa et qu'on peut accepter Jésus, trop tard, il peut qu'il s'en repente. Il couillait, mais il était trop tard. Qui ça qui vivait? Qui ça qui vivait? Il dit, mon gars, souffert, voyez Lazare, mettez la main à l'eau et rafraîchis l'homme. Qui ça y répondit? Allons aller. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes billets pendant ta vie. Oui. Et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Il te dit oui, oui. Maintenant, il est ici consolé. Il fait qui ça? Il est ici. Il consolé. Donc, un homme qui accepte Jésus, là il est mort, ou consolé. Problème fini. Mais pour Dieu, la meilleure soirée. Alléluia. Oui. Ou pas crier la mort. Ou pas qu'à crier le problème. Parce que vous consolez. Pardon, on vous donne ces jours de votre appel. Vous même Saint Abraham qui a réjoui avec le Seigneur. Pas pour Dieu, la meilleure soirée. On vous dit Alléluia. Lise, continuez. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Il dit, entre moi et vous, là il y a un grand abîme. De vous qui connaissez l'Apocalypse, il y a dit comme ça, le bon Dieu, quand il y a un grand abîme là, là c'est témoigné. Entre moi et pour il y a un grand abîme. Ça veut dire qu'on passe à passer la vie de l'église. C'est ça l'anglais a crié, the bottomless pit. C'est là où qu'a joué les vieux esprits, les abîmes des ténèbres. Donc, pas qu'il y a des corps, il n'y a les saints Abraham, il n'y a les abîmes des ténèbres. Ça veut dire que l'âme qui prend, les abîmes des ténèbres, c'est vieux esprit qu'il a. C'est mon qui a invoqué les morts, qui a invoqué les diables, qui a invoqué vieux esprits, qui a invoqué ces témoins, qui a allé en réunion avec Satan pour tuer les gens, pour faire bail. C'est dans les abîmes des ténèbres qui a fait ça. C'est là. Qui a fait ça de bottom l'esprit. Et bien, dans l'abîme. Abyss, c'est bizarre. Abyss. Vous voyez? Donc, si vous connaissez l'histoire, abyss bien. Et puis, il y a fait des dessins animés, il y a fait subtil, mais ils savent bien. Donc, c'est démon. Là, on regarde ces démons qui disent, bah, il y a bien, c'est bah, ça. C'est bagaille qui sort en tout l'enfant, on va regarder là, on va me savoir. Diable qui a cherché l'amour. Donc, nous avons fait mes parenthèses là. Et l'autre côté, abîme là, c'est là, les séjours des morts. C'est là, tout le monde, n'importe qui n'a pas accepté mon Dieu, c'est là, il y a trois places différentes. Et il y a un passé à passer, allez là. Moun qui en disant c'est Abraham, bon Dieu a la possibilité d'aller en disant c'est jour de mort pour sauver personne qui là. Et il dit, voyez ta gloire, moi soif. Mais il dit, changez bien, ou t'es dit la vie. Parce que Ecclésias, il dit, changez bien, après la mort, bon Dieu a mené un jugement. Et bien, c'est là, amis. Et qui ça qui fait? En dit dans ces jours de mort, Bougla a plaidé, Bougla a changé. Ça veut dire que c'est vers nous qui travaille toujours. Ou qui a changé ça ou qui est ici. Est-ce qu'on attend moi? Ou qui a changé l'évangile ou qui est en et qui pas reparti. Lisa, regardez ça bien. Le riche. Donc d'ailleurs, il y a entre vous et nous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers nous ne puisse le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Où ça? Non, riche l'a changé, il t'a quitté cinq frères. Il vient, il en monte tellement ses jours de mort, il pas même les frères, il vient côté hier. Hello l'église! Hello l'église! Hello l'église! L'homme l'a fini l'amour. Un homme qui battait ça, ouais, Lazare, pour lui. C'était quoi, il était cagadé. Maintenant, il y a ce jour de mort. Il voulait de l'eau. Il passe à jouer. Il pas même voulu foi, il vient côté hier. Est-ce qu'on garde ça, moi, bien? Et c'est là où il veut aller. Adam, on a dit, si elle n'est pour ni l'enfer, n'est pour ni tout. C'est là où il veut aller. À nous aller. Alors, Abraham répondit.
Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, il se repentit. Il a communiqué. Qui ça, Abraham répondit? Et Abraham lui répondit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Exactement. Même après la mort, bon Dieu, Pavlo évoqué mort. Hello l'église. Bon Dieu, Pavlo invoqué. Ouais, toutes ces bêtes qu'il a fait nous faire, c'est idolâtrie. Invoquer les morts, les fêtes des morts, et tout le monde est mort. J'aime bien qu'il y ait un lot. Hello l'église. Vous pouvez venir faire ça les mains. Donc, il dit, changez bien. Moi, ni cinq fois, pas quitter un mille là. Il dit, l'année Moïse, l'année c'est pas faite là. Oh, mais quand Moïse pas là, mais voici où cela. Alléluia. La parole est près de toi. Moïse pas là. Mais si toi, je t'ai là, voici où cela. Pas caillou. Et il dit, coutez, c'est Kadia. Jamais pour qu'il en sorte, tu quittes parole là, tu la porte caillou, et où mort sans Jésus, et où tu veux corps en les séjours des morts. Bon, ma nouvelle est qu'expliquer quelque chose. La nouvelle est séjour des morts, ça c'est les séjours des morts. Alléluia. Certains m'ont dit, mais ou pas tant, Jésus commence à bailler là, avec il dit, il a bailler en parabole. En parabole, ça veut dire que c'est pas une réalité. Parce que si on a une histoire, il prend pour faire comprendre un bagage. Mais la démontrer, par la Bible la même, si c'est ton parabole qui est là, ça veut dire que les séjours des morts, bon Dieu, pas les dit, est la mort. Si c'est un parabole qui est là, ou pas, je ne sais pas, est-ce que tu as la Bible là encore? Est-ce qu'on a d'accord avec moi? Parce que la parole, bon Dieu, pas qu'à rester tout seul, mais il a confirmé en l'autre côté. Vous ne comprenez pas? Voilà. Donc, à nous pour Apocalypse. Regardez ça qui a fait. Alléluia. Il est important, amis, pour comprendre ça. Alléluia. Le séjour des morts, alléluia, après la mort, ne se réfère pas au même endroit après le jugement dernier. Vous le comprenez en bagage? Le séjour des morts, le côté avec la mort, côté c'est mon entier, ça c'est pas l'état différent. Non. Donc, le monde qui a dit, il a prié par un tiro à Picatoa. C'est pour couiller, non. Il n'a pas dit un nid dans la Bible, il a couillé Picatoa. Mais les hommes voulaient couiller, non. Il faut comprendre, il a tiré à le séjour des morts. Mandez mon Dieu grâce par avant d'aller à l'enfer. Et pour sauver. Et là, nous sommes là. Bon Dieu qui a dit, Jésus, même qui parlait l'histoire d'Allah, il dit, moun qui l'a pas sa sortie, c'est en prison. Amen. Ça veut dire que en la pièce la porte, ou pas qu'à Matthieu, exit. Ça veut dire que sorti. Ou qu'à entrer, mais il n'est pas sorti. Les sorties, c'est bon Dieu seulement qui s'est fait sortir. Et il dit, Naïdou qui t'a, Naïdou qui côté, à nous aller à Apocalypse. Apocalypse, quand nous qui l'a sorti dans ces jours des morts, et quand on est allé. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 14. Moi, toujours, nous prenons la Bible, regardez ça, ma gabia. Apocalypse chapitre 20, et écrit sous Pagnon, verset 11. Nous allons lire verset 11 jusqu'à 15. 11 jusqu'à 15. Amen. Lis. Puis je vis un grand trône blanc, oui, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Le ciel et la terre, un grand trône blanc, oui. Et moune qui assise à celui-là, le moune assise à ce trône, il y a la terre et le ciel, ça n'est disparu. Quelle puissance, comment on dit quelle puissance? Bon Dieu, une puissance. Et qu'est-ce qui fait? Et je vis les morts, les grands et les petits qui sont tenus devant le trône. Oui, il voit les morts, les grands et petits. Ça veut dire tout le monde qui meurt, il n'y a pas d'être devant mon Dieu. Allez, continuez-le. Des livres furent ouverts.
Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Bon Dieu dit, là il y a un livre qui est ouvert. Où c'est gagé, non écrit à l'intérieur des livres. Où fait fornication, non écrit là. Où fait adultère, non écrit là. Où menti à l'homme, non écrit là. C'est pour ça que la Bible dit, tout ça au monde fait à sous la terre, où il juge pour lui. Mais où fait Bible, non écrit au côté aussi. Mais le livre de la vie, c'est un seul livre. Pas plusieurs. Le livre de la vie, c'est un seul. Continuez. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Vous entendez ça? Mort fait juger après ce bagage-là qui était écrit en disant ce livre-là. Continuez. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en elle. Oui! La mer a baissé pour nous quitter la baie là. Moi, tout comme ça, et même bien souvent, je ne sais pas où on monte, on dit donc au monde, on a coulé la mer. Personne ne va gagner. Mais là, il y a un jour qui arrive, la mer a dit vieux vomi, il a dit qu'il n'y a pas de jugement. Tiens la main, c'est mon acteur qui a l'aimé. Est-ce que vous avez fait moi? Alléluia. La mère qui a dit, allez pour jugement. Amen. La mort, la mère, appelle la mère. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Qui ça, il y a? La mort est. Ou pourquoi faire quoi pas venir ça? Lis ça, ben moi. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Plus fort. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Est-ce que le séjour des morts existe pour tout le monde? Ça l'a noué, l'homme mort, ou qu'a trouvé quand on a le séjour des morts. Et depuis le séjour des morts, nous avons dit massa si pour te chaleur. Mais le séjour des morts actuellement, qui tient bon captif, parce que le séjour des morts, c'est temporaire. Tout le monde qui est mort, le séjour des morts qui a grandi. Amen. Il a grandi boudé, il a grandi boudé, il a pris le monde, il a attendu pour jugement. Mais depuis là, il a tout menti. Depuis là, il a tout chaud. Depuis là, parce qu'il s'est porté. Mais c'est pourquoi il a dit faire. Et il a tout menti. Est-ce qu'on a tout menti? Ça, c'est premier la mort. C'est le séjour des morts. C'est premier mort. Amen. Est-ce qu'on a tout menti? Vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez. Ça veut dire si moi menti, après la Bible. On doit aller. Et bien c'est mon tel qui là. Le temps dit, la mort qui a tout le monde a tué. C'est jour de mort qui a vomi, tout le monde est tué captif. Et qu'on a parlé devant mon Dieu pour prendre jugement. Qu'on doit aller. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Qui moune qui a jugé selon quoi? Ses œuvres. Alléluia. Et là où jugé, tant ça bien. Moi, je dis un petit bagage. En disant 1 Corinthiens 15, il y a un dernier ennemi qui a détruit la mort. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire que, en disant Apocalypse 19, où il y a les bêtes, les faux prophètes, toutes ces bêtes-là, il y a un temps jeté en l'état du feu. L'état du feu. Pas ce jour de mort, mais l'état du feu. Avec, après les bêtes, là, fait, la chair, et même, c'est comme il y a. Combat le Magadon, le Battle of Magadon, le combat de Magadon, à Magadon, vous savez quoi dire, la Magadon, à Magadon, eh bien c'est bon, à Magadon. Donc au cas où Jésus est venu, avec qui est détruit, et c'est là qu'il a lié Satan et qu'il a voyé, et même il a voyé l'enfer. Est-ce qu'on comprend? Ça c'est à l'état du feu. Changez bien la mort pour côté à l'état du feu. C'est jour de mort pour côté là non plus. La mort et le séjour des morts sont l'ennemi. Dans 1 Corinthiens 15, il a dit ça. C'est un l'ennemi. Si ce n'est pas ton l'ennemi, pourquoi bon Dieu a envoyé à l'état du fils? Lis ça, va y 1 Corinthiens 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est pas dans la Bible qui verset? Verset 14. Qui dit pas dans verset 14 là dans la Bible? La mort. Et le séjour des morts fut jeté dans le temps du feu. Est-ce que vous comprenez bien? Donc c'est pour ça que vous êtes là. Et bien, mon Dieu, quand vous avez la mort, le séjour des morts qui était chaud en le temps du feu pour ne pas plus chaleur.
avant que j'étais un homme là. Est-ce que vous avez entendu bien? Avec côté là, l'homme dernier qui a dans les temps de feu. Lisa. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Est-ce que vous avez entendu bien? Les temps de feu là, Idou, c'est la seconde mort. Donc l'homme mort, la seconde mort, il a parlé. Un homme pas qu'à mort, l'amour pas qu'à mort, qu'on encore physique qu'à mort. Ici, nous avons dit, lumière vivante, lumière éclairée, lumière il a, donc c'est évident, il a. Mais sous éteint, nous avons dit, il prive l'électricité. Est-ce que vous avez entendu bien? La mort spirituelle, c'est privé de Dieu. Vous n'avez pas accès à bon Dieu. Et bien, l'homme monde mort ici, et il pas connaître bon Dieu, il pas accepter bon Dieu dans l'idée de la vie, ou priver de bon Dieu pour toute la vie. Dans Romains chapitre 3, 23 à 12. Car tous ont péché et privé de la gloire de Dieu. Donc l'homme péché, péché qui a privé au dit bon Dieu. Et l'homme mort et qu'on pas accepter bon Dieu. Parce que péché te privé ou. Et pour Dieu, déjà fait proviser pour ça. Parce qu'en Romains chapitre 6, verset 23, il a dit salaire péché, c'est la mort. Mais le don gratuit pour Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc Jésus est venu pour mort. Il paye la vie pour nous la vie. Et sous mort, et vous pas accepter. Et mes amis, c'est pour ça que vous privez bon Dieu. Et bon, quand tu veux corps en séjour des morts, premièrement, il a tiré bon là juste à temps. Bon Dieu est venu pour juger la terre. Ça nous a couillé le jugement dernier. Et avec là où il tiré bon là, on a le jugement dernier. Et bien c'est là la mort, le séjour des morts, et tout le monde qui t'en donne, qui a jeté à l'éternité. Ah, bon Dieu, la main. Alléluia. C'est là que nous voulons aller. Moi, je veux finir avec vous. Mais moi, je veux comprendre ça. Rapidement. Alléluia. Il faut comprendre bien. La mort est l'enfer. Alléluia. Eh bien, nous avons ça. Les Hadès. Toutes ces bagailles-là, ils ont été jetés dans l'état du fer. C'est français, a dit nous, GM. Ils ont été jetés dans GM. GM, c'est le mot grec. Pour l'enfer. Il y a quand tu veux croire en disant GM qui a brûlé. En disant Jean chapitre 11. Alléluia. Verset 25 et verset 26. Jésus l'a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Est-ce que vous croyez ça? Mais c'est Jésus-Christ qui dit résurrection et puis la vie. Moi qui croit en moi, alléluia. C'est lui qui dit, nous qui croit en moi, il a ta vie, même si il y a jamais. Donc c'est ça. Et bien ici, nous qui croit en bon Dieu, qui accepte bon Dieu, l'homme, l'amour, pas qu'à mort, il n'a pas qu'à priver de bon Dieu, mais il a vivre et fait bon Dieu. Bon bon Dieu l'homme. Bon Dieu l'homme. Monsieur, vous qui faites, dites merci, mon Dieu, après vous, mon Dieu, très fort. Ça, c'est une belle bagaille d'accepter Jésus et de marcher avec mon Dieu. Parce que l'homme ici, on peut vivre éternellement, même souvent. Mais qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Et quiconque qui a vivre, et qui croit
jamais mort. Pourquoi il dit il n'est pas jamais mort? Et pour l'instant, Lazare, il était mort et nous tous sommes morts. Mais la mort là, il a parlé là, c'est ou pas qu'à séparer de Dieu, ou pas jamais privé de Dieu, parce qu'on t'a accepté ici. Alléluia! Est-ce qu'on t'a dit? Jésus dit comme ça, il caille avec vous juste à la fin des temps. L'on accepte Jésus-Christ en Marc 16. Alléluia. Papa, bonjour, amen. Papa, bonjour, amen. Papa, bonjour, amen. Bon Dieu, pas jamais quitter nous. Mais bon Dieu, il dit nous comme ça. Alléluia. Il y est pour nous. Bon Dieu, pas jamais quitter nos amis. Bon Dieu, pas qu'à quitter Ishli. Mais bon Dieu, qu'à rester avec nous. Alléluia. Moi, je corrige ça. C'est dans Matthieu chapitre 28 et verset 20. Et le Seigneur, il dit nous, allez allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le Seigneur leur a observez tout ce que je vous ai prescrit. C'est pas ça où est là? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas dans la Bible qui dit là? Dans la Bible française, ça écrit. Ça veut dire que l'on accepte mon Dieu. Mon Dieu, pour qu'il jamais séparé de vous. Mais l'on pas accepter mon Dieu ou priver de mon Dieu. C'est ça qui est l'âme qui pêche. Moi, ça veut dire que ou priver de mon Dieu ou priver l'électricité. Mais qui c'est qu'a fait? L'on accepter mon Dieu qui a alimenté ou encore, il a alimenté l'âme. Hello, est-ce qu'on attend moi? Parce qu'on âme, pas qu'à mort. Alléluia. Qu'est-ce que c'est une âme? Qui c'est qui est une âme vraiment? Regardez bien. En disant, 1 Corinthiens 15, 35 à 44, je veux aller rapidement et puis, je pense que c'est fini. Je vais avec mes démonies. Je vais vous qui est l'âme. Parce qu'il y a un monde qui comprend. L'amour, c'est sang. Et si sang ou fini ou mort. Donc, je ne vais pas sang, je ne vais personne. Parce qu'il dit sang, c'est l'âme. Mais si sang ou l'amour, ou quand il y a un qui est le monde qui a mangé boudin. Il va faire bouder, il va mettre un homme, il va venir canner, il va exhumer un défi, il va finir, il fond. Et pour l'instant, on n'a pas mort, c'est ce que la Bible dit. Il a privé de mon Dieu. La mort, là, il a parlé, c'est privé de Dieu. Ou pas accès à mon Dieu. Amen. Mais on va aller, 1 Corinthiens 15. Regardez bien, nous allons regarder qui c'est qui est un homme vraiment. Rapidement et avec nous. Alléluia. Tiens, nous allons passer rapidement. Mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps revient-il? Ça veut dire que verset 35. Il a dit, comment est-ce qu'il va retourner? Et quel corps il va retourner? Verset 36. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Nous avons une explication. On dit, clair comprendre. Ou qu'on plante un grain de mango. Si un grain de mango est planté. C'est pas vrai. Mais là, il a planté un bâtiment, après il a fait une tige, il a monté, et il a fait un gros grain de mango. C'est pas un gros grain de mango, il a fait. Il a fait un pied bras. Même il a planté un petit grain de maïs, après il a fait un terre, c'est fort qu'il tombe en terre, il a gelé, et après, il a fait un generate. Amen. Donc c'est bien. Bon, il a transformé. Il a transformé et qui a germé et qui a commencé à porter un petit pied maïs, il a bouti et qui a fait ce pied et qui a baou même ça a planté après. Est-ce qu'on retient moi? Et bien, il a dit, même manière ça là, quand il est mort, après il est mort, il a vu poussière, mais bon Dieu n'y a encore baï. Allez, on continue de lire ça, allez. Verset 38. Puis Dieu
Dieu lui donne corps comme il lui plaît et à chaque semence il donne corps qui lui est propre. Chaque semence pour Dieu qui a un corps. Elle a dit différents corps. À nous aller. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes. Des hommes, oui. Autre celle des quadrupèdes. La nuit, chair des quadrupèdes. Autre celle des oiseaux. Oui. Autre celle des poissons. Mm-hmm. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. La nuit aussi corps célestes et corps terrestres. Mais autre est l'état des corps célestes. Oui. Autre celui des corps terrestres. Oui. Autre est l'éclat du soleil. Mm-hmm. Autre l'éclat de la lune. Et oui. Autre l'éclat des étoiles. Oui. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ça veut dire que nous avons pas étoile pas même. Tout bagaille, nous avons plusieurs planètes. Maintenant, mon gars, ça étudie, ça plie, mais parce qu'avant toujours. À nous aller. Et si en est-il de la résurrection des morts? Uh-huh. Le corps est semé corruptible. Oui, l'homme mort ou mort ou semé corruptible. Alléluia. Quand tu as capoui, il est mort. Mais qui m'a dit qu'il est élevé? Il ressuscite incorruptible. Où est ça? Le quand tu as vu élevé, il va appuyer encore. Bah, bon Dieu, la main. Où est ça bien? Ou quand mort ici, il pouille. Quand on a pouille fini. Mais là, il vit élevé. Il va agir pour y encore. Il va lever incorruptible. À nous aller. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Oh, quoi qu'un humain ici mais méprisable, mais il va vivre glorieux, il va vivre plus fort. À nous aller. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Oh, 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 moi je vous entends. Tu vois, c'est parce qu'il est infime. Pourquoi de où un film ou pas ça accepte Jésus? Et bien, maintenant, ils sont alors quand ils vivent élevés, qu'on n'a pas un film encore. Donc, c'est vaut mieux accepter, bon Dieu, toute infinité à présent. Parce que, bon Dieu, ni jambes neuf, corps neuf, yeux neuf, tout le monde neuf, quatre en nous. Parce qu'en différent, on ne fait pas un film, ou quand ils marchent, ou quand ils pipent. Est-ce qu'il y a trop de temps? Aïe, aïe, aïe. De arrêter de critiquer. Est-ce qu'on va te dire, le compte à la scène ici, il y a quoi un film? Mais là, quand il vit le levé, pas qu'il y ait une infinité encore. C'est pour ça que nous avons servi, mon Dieu. Même si il n'y a pas d'une infinité, il faut empêcher de marcher, mon Dieu. Alléluia. Pas qu'il y ait un péché, parce que mon Dieu nous l'a pour vous. Alors, allez. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Où est ça? Il mort corps animal. La cette version, on est là. Il a dit, il est semé corps naturel. Est-ce que vous comprenez ça? Corps naturel et il ressuscite corps spirituel. À nous aller. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Oui, oui, oui. Est-ce pas une idée? Il dit si il y a un corps animal, nous c'est un homme animal. Qui, si il y a un corps physique, eh bien il y a un corps spirituel aussi. Pas qu'il y a un corps. L'amour, c'est corps spirituel là. Qui là, ça c'est un vlog pour la là. Qui ça qui prie pour Dieu? On couille, et bien on enveloppe. Et bien, c'est pour ça Pierre dit, bien aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, de abstenir des convoitises charnelles qui fait la Dieu à l'âme. Comment qui ici a c'est un enveloppe? Mais ça qui est du pays là, c'est couillé là. C'est couillé à obliger vrai par mon nom. C'est pas enveloppe là. Est-ce que c'est pas vrai? Mais vous quand mettre couillé à dit enveloppe là pour jouer une destination. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on a dit ça? Donc, bon Dieu permet nous passer ici à sous la terre. Et c'est ici là où qu'a posté l'amour soit pour jouer un bon Dieu dans le ciel. Et bien, soit pour aller l'enfer, pour l'éternité. Est-ce qu'on va te dire? Allez, pas te dire. Alléluia. Sous notre Seigneur Jésus ici, et bien, enveloppe ça ou non, il a viré pourri. Mais là, il pourri, il a viré levé. Pour Dieu, il a un autre corps. Alléluia. Et quand il est là, ça n'a pas qu'à pourri encore. Ça n'a pas qu'à mort encore. Il n'y a pas qu'à tuer ça encore. Il a vivre pour l'éternité. Et avec souvent sans Jésus, il a vivre l'éternité sans Jésus-Christ. Mais souvent avec pour Dieu, toute la vie, il a
vivre et avec bon Dieu l'éternité pour l'éternité, pas pour Dieu à la mer. Alléluia. Alléluia. Donc à ce qu'il y a un corps, et disons, si il y a un corps spirituel, il y a un corps. Si il y a un corps animal, il y a un corps spirituel aussi. Tenez ça bien, gardez le corps spirituel là. Qui m'a dit, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Lors même que notre homme extérieur, ça c'est vieux corps là, est détruit, notre homme intérieur se renouvelle jour après jour. 2 Corinthiens 4, 16. En Biboua. C'est pas ça où est là? Pas d'un corps extérieur, il est mort, il est détruit, il est pourri. Il dit quoi qui est dedans là? Il est renouvelé jour après jour. C'est pour ça. Alléluia. Bible a parlé, dit, il était dans ce jour de mort, c'était premier mort. Et là, il faut aller dans l'enfer. Il dit c'est seconde mort. C'est pas qu'il mort, il pourri, il finit. Parce que l'amour n'est pas ta mort. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour, c'est souffle qui sortit en bon Dieu. En dit dans Genèse, il dit, le bon Dieu fait l'homme. Bon Dieu descend et il mettait en disant, nom, narine, nom, en souffle de vie. Avec l'homme devenu en être vivant, en l'âme vivant. Donc l'amour, pas qu'à mort, mais il peut vivre l'éternité. Est-ce qu'on peut s'en dire? L'amour peut briser de mon Dieu. Il peut séparer de mon Dieu. Mais il peut vivre soit en ciel, soit en enfer. Zoni, parlez le fait. Parlez le fait. Parlez le fait, mamie. Parce qu'on ne peut pas s'échapper du fait, l'enfer. L'agneau compagnie, religion, qui t'a appris le monde, la panne rien au cas où il y a fait l'enfer. Est-ce que bon Dieu autant bon? Ou pas tellement bon Dieu, et qui a voué le monde l'enfer? Mais il a d'où il a? Jésus parle nous d'où il a? Et c'est là où on veut aller. Alléluia, nous voulons finir. Tenez ça bien. Regardez qui compagnie le monde qui a allé l'enfer. Alléluia, il y a l'eau. Alléluia. Mais nous avons crobé tout ce monde là, tout ce monde là, en deux catégories seulement. Et Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7 à 9. Alléluia. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Aïe, aïe, aïe. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges dans sa puissance, au milieu d'une flamme. Attends, vous savez ça? Moun qui accepte bon Dieu, qui s'abonne à Bayo, ou pas tellement de lecture là, de repos. C'est pas ça, il est doux. Ça veut dire que l'homme mort, bon Dieu, Kabayo, repos. Il est venu reposer. Oh, l'année, on joue Francis qui allait reposer quoi. Papa m'a parti avant moi. Alléluia. Cox parti avant moi. Alléluia. Merci Seigneur. Mais moi, ça fait un jour qu'il est venu, moi qui allais repos. J'ai la dit. Parce que nous avons marché avec bon Dieu et qui servit bon Dieu dans l'esprit et la vérité. On joue nous toutes les parties. Mais qui continue les visions? Bon Dieu, il y a des gens qui sont morts et puis répondent. Mais tenez ça bien, l'autre partie, verset 8. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Bon, qui ça dit? Bon Dieu qui est venu pour des bagages. Par les gens qui sont morts en Jésus, répondent. Deuxième, pour punir, premièrement, au premier set, moun qui pas connaître bon Dieu. Tenez ça bien. Moun qui pas connaître bon Dieu. Ça passe à faire bon Dieu sous pas connaître lui. Ça passe à faire bon Dieu sous pas qu'à chercher connaître bon Dieu. Mais si bon Dieu vient et qu'on pas connaître lui, ça passe à faire bon Dieu que moun pas connaître bon Dieu ici. Si vous ne connaissez pas bon Dieu, le bon Dieu vient, il dit en mettant flamme du feu, bon Dieu qui est pire. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le premier set là.
Donc, la nuit, qui a dit, je suis athée. Là, tu mets une femme qui a parlé à la radio et qui a parlé. Et qui était fier, oui. Il dit, non, je crois, moi, je suis athée, hein, je comprends l'évangile. Hein, voilà. Moi, dit, il comprend son droit de l'athée. Mais si ça, ça est Corinthien, un Thessalonicien 1, qui a réservé, il n'a pas qu'à jamais dire athée. Parce que premier sept moun qui a été péri, c'est moun qui a été. Ça veut dire que yo pas qu'à chercher ça aussi, ni bon Dieu. Yo pas qu'à chercher ça aussi, yo connaît bon Dieu. Yo pas voulu t'en parler de bon Dieu. C'est ça fait yo qu'a fait. Yo qu'a dit bon Dieu pas qu'à exister. Et bien ça, c'est premier sept moun. Le bon Dieu vini, il qu'a pini. On mette des femmes bifées. Deuxième, compagnie, catégorie. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Oh, qui ça? Moun qui pas qu'à obéir l'évangile Jésus. Écoute ici en soir. La nuit, jour après jour, l'année après l'année, il y a qu'à tel évangile. L'évangile la patio, l'évangile en caillou, il y a qu'à coûter gospel. Il a fait là, il y a qu'à coûter. Mais il préfère dire, maman, nous dis-moi, moi t'es déjà baptisé. Il y a un pipe caillou, il y a qu'à lire, mais il n'y a pas qu'à jamais obéir. Et bien, les Jésus qui a venu, ça c'est ce monde. Il dit, il y a qu'à aller directement à l'enfer. Deux catégories. Monde qui pas croit en bon Dieu. Avec monde qui pas qu'à obéir par la yo tienne. Est-ce que vous êtes là dans le soir? Fais intelligence avec quoi la parole de Dieu en soi. Sauvez la vie. Et bon Dieu qui a sauvé. Alléluia. Amen. Quel savez, ils seront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la force. C'est bien ça, il nous. Du Seigneur et la gloire de sa force. Je vais vous expliquer ça. Il y a quand même un châtiment, il nous. Oh oui, éternel. Comme ça. Lui à la face du Seigneur. Le bon Dieu fait le séjour de mort. Il fait et après un jour, il y a des saouins, il y en a l'autre. Il dit Abraham, non, je ne l'ai pas les bails. Mais, le temps du fait, le bon Dieu fait. Bon Dieu dit, là, il voit un monde là. Bon Dieu, quand j'étais loué facile. Tu peux dire un petit bagage. Là où pour un roche, et pour un monde, il dit, j'étais loin face. Est-ce qu'on peut oui? Est-ce qu'on peut oui? Oui ou non? Non, pas ça, oui. Parce que où j'étais loin face. Et bien, bon Dieu fait l'enfer. En manière, là il fait, il dit, il a jeté loin face, mon Dieu. Deuxième, loin à la gloire de sa force. Ça veut dire que là, bon Dieu finit avec l'enfer. Pas même bon Dieu lui-même. Là, il finit avec l'enfer qui ferait. Pour Dieu lui-même, parce que vous êtes tiré au l'enfer. Parce qu'il a écrit. C'est là où il allait. Il écrit là. Pour l'instant, nous allons lire. Il nous a pas accompagné. Il écrit là. C'est là où il allait. Pour Dieu, c'est tout puissant. Dieu est tout pouvoir. Pour Dieu, pas voulu. Là, il a passé avec Mama Eli. Ou qu'a couillé l'enfer. Et il a roi encore. Non. Il finit et puis la vie ça net. Et bon Dieu, quand Jésus est chôme avec Yishi, qui était mort pour lui, qui était couru, qui était accepté comme sauveur personnel. Les amis, juste avant de fermer, deux textes seulement, rapidement, alléluia, nous et toi, rapidement, nous allons. Maintenant, ça Jésus-Christ dit, dans Matthieu 25, verset 41 et 46, lis-vous nous rapidement. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. La fête est faite par qui moun? Diable et Jésus. Mais parce que, dans 1 Jean 12, chapitre 3, verset 8, il dit ce qui pêche et le diable. Des pour pécher, c'est pour ça que diable a fait moun vivre en péché. Parce qu'ils savent que pour vivre en péché, et pour mourir dedans, automatiquement, on va salir. Donc si bon Dieu l'a venu, qu'a jeté avec lui, pour qu'il vienne aux anges Satan. Pas mon Dieu en la main. Chapé Cordela. Chapé Cordela. Alléluia. Amen. Amen. Bon Dieu, qu'a jeté au loin. Nous va finir. Tenez ça bien. Bien
Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ouais, ça bien. Ils ont gagné au châtiment éternel. Bon Dieu, pas ça, tu vois là. Mais juste là, qui s'agit de la gagner, la vie éternelle. On bénit mon Dieu pour la vie éternelle. Alléluia. C'est ça, vous voulez, on se fait, amen. La vie éternelle, vous voulez. Vous voulez vivre pour l'éternité. Parlez l'enfer, ou bien faire. Parlez l'enfer. Pas qu'il y ait des diables menés au l'enfer. Tenez ça bien. L'enfer, qui mène l'enfer, Kabilé? L'enfer, il dit, l'enfer, c'est souffle, bon Dieu, qui a alimenté l'enfer. Ou pas tant ça. Même quand bon Dieu, son nom, l'éternité, c'est souffle qui a alimenté l'enfer. Il y a des gens qui disent, garçon, là où l'enfer, c'est moi qui ai poussé le bras. Mais si vous savez, si vous savez, bon Dieu, pas quitter mon alimenté l'enfer, non? C'est souffle, bon Dieu, qui a alimenté. Alléluia. Regardez rapidement. Makalajou. Makalajou. Esaïe 30, verset 33. Car ton fait est dès longtemps préparé. Donc, nous calons ça en disant. Bib Campon. Là, vous regardez verset version Campon. Et bien, version Dabi. Ou quand il joue Kapalo, dit Tophet. Exactement dans les mots grecs. Exactement dans la Bible anglais. C'est exactement la même version. Donc, il a parlé de Tophet. Dans la Bible, lui, second, il a parlé. Il n'a pas mentionné le mot Tophet Bao. Mais moi, je vais expliquer ça. Qui ça y est exactement? Donc, lui. Car Tophet est dès longtemps préparé. Lui aussi est prêt pour le roi. Qui ça? Tophet est longtemps préparé. Et il est préparé aussi pour le roi. Où ça pour parce que ces gros noms là, ils n'ont pas vrai bon Dieu pièce. Vous savez ça? Plus par ces gros noms là, vous savez ça, yoye? Luminati, Marabout, c'est ça, yon ka kwa yadide. Sorcier, c'est ça, yon ka kwa yadide. Est-ce que vous attendez mes flamasons? C'est ça, yon ka kwa yadide. Les rois, ils n'ont pas vrai bon Dieu pièce. Est-ce que vous attendez bien? Et bon Dieu, gardez, trop fait pour ça, pour les gros noms. Mes amis, même manière, ni gros noms qui allaient l'enfer. Même manière qu'un petit qui allait l'enfer tout. Même manière ni grand homme qui sage qui a sauvé Namio, il est allé en ciel. Même manière là ni jeune qui panique, rien et il est allé en ciel aussi. Donc tous les décaillés. Mais il dit le roi t'es là à toi fête. Continue. Le Seigneur l'a fait large et profond. Bon Dieu fait qui manière? Large et qui fait profond. Oui. Bûcher du bois et du feu et du bois en abondance. Il y a le bûcher à qui ça dit? Feu et bois à l'abondance. Comme ça vient. Le souffle de Yahweh comme un torrent de soufre l'embrase. Ça qui est embrasé et même ton fait, et bien ça nous a crié qui hina. C'est souffle pour Dieu. Chaque fois qu'il fait l'enfer. Quoi qu'il y ait une, pour Dieu qui a poussé, chaleur, pour Dieu met ton souffle en l'enfer, et il n'a pas été une pièce parce que pour Dieu c'est l'éternité. Amen. Même manière pour Dieu mettait l'âme en dedans, il y en a qui souffle, et l'âme là vini l'éternité, et bien c'est comme ça pour Dieu souffle l'enfer. Et c'est là où vous voulez aller, en y'a pas été l'enfer. Est-ce que vous comprenez bien? En y'a pas été ni. Regardez Jérémie, dernier texte là. Jérémie 7:32. Regardez. C'est pourquoi voici des jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée du fils de Hinnom, mais la vallée de la tuerie, et on enterrera Tophet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Où est-ce qu'il y a eu qu'il enterrera Tophet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place? C'est pour ça que nous avons un monde qui a mort sans Jésus comme ça. Il y a eu qu'il en fait. Moun pa vle le yon mo yon an ansyel. Il dit moun kay tire an dan ton fait juste à ce que il pas une place encore. Ça veut dire que moun kay tire an l'enfer juste à ce que il pas une place. Ou pas wè moun ki an l'évangile c'est yon de moun ou ka fè on l'évangélisation, ka moun ki an kaotier, yon de moun ki ka vini. Yo préféré mort en condition yo et yo an l'enfer. Pendant yon di ka vini alan yon mo. Ou sage au soir, nous voulons prier. Faire par Dieu des petits salades qui ont dit oui à bon Dieu, qui ont allé en royaume là. Pas aller en prophète, pas aller en séjour des morts, pas aller en enfer,
par bon Dieu la vie, c'est lui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. C'est lui qui ne croit pas, sera condamné. On souhaite, est-ce qu'on a cru? Est-ce qu'on a vécu un caillou sans converti? Est-ce qu'on a vécu un caillou dans vieilles conditions et continuer à vivre comme ça? Nous voulons prier. Tout le monde fait diligence. Sortez là où il y a. Venez convertir. Venez demander bon Dieu pardon. Acceptez Jésus au soir, a dit dans la vie. Chapitre de l'enfer. Pas plus de pas une seconde. Parce qu'on seule seconde. Ou mort. Exio. Ou pas converti comme. Et qu'on mort sans Jésus. Ou qu'on lève les yeux. À ces jours de mort. Les ces jours de mort, pas de tout. Pas bon Dieu la vie, ou bonsoir. Moi, je voulais prier avec vous. Alléluia. Là où il y a approché rapidement, nous voulons fermer. Je vais demander à tous les gens, vous qui êtes en train là où il y a, vous qui êtes dans le chemin, venez nous faire une seule prière. Nous voulons prier bas. Pas quitter. Nous avons une madame juste pour voiture. Mamie, si vous avez quitté Caillou et que vous venez juste pour l'auto blanc, ça là, c'est parce que bon Dieu quitte Pio pour venir juste ici. Venez. Faire un autre pas encore. Venez, mamie. Moi, je vais prier pour avant de retourner Caillou. Est-ce que vous pouvez encourager maman? Est-ce que vous pouvez joindre dans ma soupe? Vous qui assis bon, pour toi, vous qui tu bout là, bon près là où il y a, nous commandons à venir. Vous qui en caillou, venez. Vous qui en de près là où il y a, quel que soit côté de vous, venez. Vous qui assis en bas, dans ma chapitre, maman, levez tout le monde en levant les pieds. Venez approcher Jésus ici. Venez devant, nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Dernier mot, rapidement. Mamie, venez, nous voulons prier. On est un petit coup rouge en l'air. Mamie, vous sortez juste. Alléluia. Approchez. Vous qui l'approchez. Vous qui allez voir, tu l'approchez. Ceux qui l'approchez. Nous voulons prier, on la prière spéciale en soi. Pour le monde qui te monté pendant 6 minutes, vous avez accepté Jésus pendant 6 minutes. Et vous là, nous voulons prier aussi. On la prière spéciale. Alléluia. Avant de partir en soi. Encouragez-vous, maman, encouragez-vous. Nous voulons prier. Alléluia. Nous voulons prier pour tout le monde qui est ici. Tout le monde qui est ici. Soyez sincères. Dès que l'on vient, nous voulons prier pour vous. Il n'y a pas de pièce ou raison pour nous pour aller l'enfer. L'enfer trop expliqué, trop bien la parole de Dieu. Ça explique trop clair la parole de Dieu. Et pour moi, je dis, quel est l'enfer? Si elle n'est pour nous, l'enfer n'est pour nous. Parlez l'enfer. Parlez l'enfer. Nous voulons prier avec nous. Approchez Jésus. Est-ce qu'il y a un autre monde qui dit, on souhaite à moi, je veux convertir la vie pour tout le monde. Je veux mort sans Jésus. Je veux mort sans Jésus. Je veux la maison là. Levez la main. Je veux sauver la vie. Nous voulons mettre ça là. Est-ce qu'il y a un autre? Moi, je vais sauver la vie, moi. Moi, je vais sauver la vie, moi. Est-ce qu'il y a un autre monde devant vous là? Vous là, vous voulez sauver la vie, mon soeur. Levez la main. Nous voici la maison là. Nous voici la maison là. Est-ce qu'il y a un autre monde qui est ici? Est-ce qu'il y a un autre monde qui veut sauver la vie? Vous là, mais vous voulez bon Dieu sauver la vie. Ou ici, vous ne pas vraiment être en enfer. Vous ne pas vraiment l'homme mort, c'est l'enfer ou les baisers. Nous voulons prier avec vous. Oh.
Oh, béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes de les Satan qui a fait nous perdre. Mes amis, l'homme mort sans Jésus-Christ, vous savez, nous ne passons pas dans ces jours de mort. Nous ne passons pas dans l'enfer. Télève nous, Père, nous nous nous. Mais dans l'enfer, vous avez couillé pour sauver l'amour, mais il est trop tard. Encouragez petit ça là, nous avons béni mon Dieu pour lui. Est-ce que vous voulez faire même con? Approchez-moi, vous voulez prier pour la prière de repentance. Si j'ai fait tant, venez là. Zami, approchez. Approchez avec mamie. Alléluia. Encouragez. Alléluia. Venez, vous voulez sauver l'amour. Est-ce qu'on a fini de sauver l'amour? Vous voulez Jésus-Christ? Vous voulez sauver l'amour? Vous voulez sauver l'amour en soi? Nous voulons prier par Dieu pour nous. Approchez. Approchez, les amis, approchez. Soyez, nous voulons prier. Sami, c'est la plus triste décision que un monde a fait. Et il t'a dit en telle parole. Et il partit Kaili. Il n'a pas converti Koy. Et il quitte la mort prime. Et devant de bon Dieu. Avec qui ça a petit bon Dieu. Parole là, tu es devant vous. Ou tu es mis en chance. Personne n'a ça. Là, nous sortons ici. Là. Si nous arrivons à nous, nous ne pouvons pas ça. Sous ici, on soit. Pas jouer avec différents l'enfer. Pas jouer avec décision, ça, on y la vie. Est-ce que vous soit avant de prier? Ou j'affronte pas, venez juste là. Approchez. Nous voulons prier, bah, toutes ces montagnes ensemble. Approchez. On nous prier ensemble.